Bonsoir à tous. Je suis ravie de vous accueillir en Bretagne pour une découverte du Morbihan entre terre et océan. Nous commençons cette émission à Vannes, sur l'un des remparts qui entoure le cœur historique. Il faut imaginer que dans l'Antiquité, la mer arrivait jusqu'au pied de ces murailles. Aujourd'hui, il ne subsiste qu'un bras de mer à 600 mètres d'ici. La plus belle vue sur la ville se trouve sans doute en haut de cette tour, la tour du Connétable. Elle a été construite au Moyen-Âge et était destinée au chef des armées du duc de Bretagne. Depuis cette tour, on observe certains détails des remparts, notamment ces mâchicoulis en forme de pyramide inversée, sculptées sur trois faces. On les retrouve sur de nombreuses forteresses en Bretagne. On peut aussi profiter de cette perspective sur les jardins à la française. Ils ont été conçus à l'emplacement des douves médiévales. Vous allez le voir, le centre historique a conservé son architecture médiévale. Le charme de ce quartier tient beaucoup à ses ruelles et à ses maisons à pans de bois. On en dénombre 180. Elles sont hautes et étroites, en encorbellement avec pignons sur rue. C'est typique du Moyen-Âge. Les façades sont en bois et en torchis. Le rez-de-chaussée abritait souvent une échoppe avec un système de grands volets en bois qui se rabattaient pour servir d'étal. Ce cœur historique est l'un des plus grands et des mieux conservés de France. Vannes nous offre un joli aperçu de la richesse du patrimoine du Morbihan, une terre marquée par la dynastie des Rohan. Cette famille de mécènes et de bâtisseurs nous a légué des châteaux et des chapelles. C'est un film de Julie Svoboda et Bertrand Rubé. Au nord du Morbihan, se dresse l'un des monuments les plus renommés de la région, le château de Josselin. Cet édifice est l'emblème des Rohan, l'une des familles les plus puissantes de Bretagne. Diego Mins est conservateur du patrimoine. Il survole aujourd'hui l'ancien vicomté des Rohan. Ah, c'est génial vu comme ça. Là, on voit déjà le grand logis gothique flamboyant qui a été construit par Jean de Drouan et qui domine l'Oust. Et la base du château est vraiment sur la rivière directement. Là, on voit plus ou moins les tracés des anciens remparts de la ville qui ont été détruits. Ces grandes tours résidentielles, avec un décor sculpté sur l'ensemble des fenêtres à meneaux. Le château de Josselin est un des premiers châteaux construits par les Rohan au XIIe siècle. Il va se développer notamment au XIVe siècle et au XVe siècle. Et par la suite, Jean II de Rohan va développer tout ce grand logis Renaissance. Au cœur de ce territoire, le fief de ses grands seigneurs, le village de Rohan. Alors, la famille des Rohan va dominer l'histoire de la Bretagne durant quasiment 7 à 8 siècles. Ils vont être des mécènes extrêmement importants de l'architecture religieuse, mais à la fois de l'architecture militaire également. Ah, bon, ça y est, on commence à apercevoir droit devant la chapelle Notre-Dame de Bonne Encontre. Très belle chapelle, gothique flamboyante. On pourrait remarquer une quinzaine de clochers entre les chapelles et les églises à proximité. Tout ça, c'est très dense. Là encore, on va passer sur une autre chapelle des Rohan. J'appelle le Saint-Loyal, qui est un site architectural très remarquable également. La chapelle est édifiée en forme de croix latine. Le clocher, lui, se distingue par ses clochetons
rehaussée à la feuille d'or. Dernière étape, la ville de Pontivy et son imposant château médiéval. Voilà, là on le vit très bien. On voit les deux grandes tours du logis ouest. C'est le dernier édifice militaire que Jean II de Rohan fait construire en 1484. Le château de Pontivy se divise en deux. Sur la face ouest, c'est d'abord un château militaire. Et par la suite, il se développe à l'est, dans un logis malheureusement disparu, détruit à la fin du XVIe siècle. Le site, classé au monument historique, est fermé au public. En 2014, en pleine tempête Petra, les fortes pluies provoquent l'effondrement d'une partie de la forteresse. Le rempart s'écroule sur toute sa longueur. Après 2 ans de restauration, la muraille est presque remontée. Elle commence à retrouver son aspect médiéval. Pour ce remontage, on a utilisé le maximum de pierres d'origine de la courtine, toutes les pierres qu'on a pu récupérer. Mais effectivement, un certain nombre de pierres n'ont pas pu être récupérées parce qu'elles étaient trop abîmées. Donc il a fallu faire un complément avec donc des pierres qui viennent d'une carrière tout près de Carré. Là, on voit la différence de... Oui, ici, la pierre d'origine. Ouais, pierre d'origine et puis... Le schiste. Et on voit bien qu'elles sont un petit peu travaillées, donc on est vraiment sur du schiste avec cette teinte assez particulière dans les gris-bleus. Et puis ici, on a une série de pierres qui sont neuves. Donc c'est ces pierres-là qui vont être travaillées un petit peu pour créer un effet de vieillissement, comme celles-ci qui sont déjà travaillées et vieillies, pour qu'on ait un ensemble au final assez homogène. Sur les parois, typique de l'architecture bretonne du XVe siècle, les emblèmes des Rohan sont omniprésents. On peut voir cette macle, donc le losange évidé, qui était donc ce symbole des Rohan. On trouve le A couronné, qui est aussi le symbole personnel. C'est A+, hein, c'est la devise des Rohan. Et à côté, on a la représentation de Jean II, le vicomte Jean II. Là, il s'est fait représenter, tenant son épée ou sa dague à la garde, en symbole de défense et de protection. Donc c'est un symbole militaire très fort. Les gens ne savent ni lire ni écrire, mais ils connaissent parfaitement les blasons du seigneur, c'est une représentation, et la représentation du seigneur actuel. C'est les premières représentations physiques des commanditaires. Et ça, c'est vrai que pour le coup, en Bretagne, c'est très très innovant, la démarche de Jean II. Au XVe siècle, le vicomte fréquente la cour de France, visite les châteaux royaux et s'en inspire. Les façades de la cour intérieure porte la trace de ses influences. Autre chose qui est assez caractéristique, et là pour le coup, ce sont les descentes d'eau en pierre. Ça reprend des modèles qu'on trouve, les modèles royaux, notamment à Blois, d'avoir ce système de corniche et de descente d'eau. Ça, c'est très très innovant et ça montre qu'on est sur un grand noble breton, hein, qui montre quand même qu'il est au fait des modes au niveau architecture. C'est tout Jean II, quoi. Cet après-midi, Diego a rendez-vous sur un autre chantier d'envergure, à la chapelle Notre-Dame de Carmès, en plein cœur du pays des Rohan. On traverse le nord de Pontivy, entre Pontivy et Guingamp, et on est dans la vicomté de Rohan. Alors la vicomté de Rohan et la vicomté du Porouët, qui dépendaient de la famille de Rohan, ça représente grosso modo toute la partie nord du département du Morbihan actuellement. Alors on y croise bien sûr les grands châteaux des Rohan, hein, comme Pontivy, Josselin, mais aussi de nombreuses églises et chapelles.
Une église ou une chapelle, c'est un marqueur de territoire. Les armes sont à l'extérieur, les blasons sont à l'extérieur et tout le monde sait que ça appartient au vicomté, qu'on est chez le vicomte de Rohan et sa famille. Dans cette chapelle, un chef-d'œuvre de la fin du XVe siècle vient d'être découvert. Une peinture murale monumentale, jusqu'ici cachée sous un décor sculpté en bois. Elle est en cours de restauration. Bonjour. Bonjour, ça va? Alors? Eh ben, on est en ça train... Ensemble, hein. Ouais, on est en train d'essayer de remonter les fragments entre eux, là, de chercher des collages sur les fragments qu'on avait récupérés derrière le retable. On en a quelques... Géraldine Frey tente de reconstituer cette peinture. Avec, un véritable puzzle. Du carrelage en perspective. Ici, on a retrouvé un fragment qui est assez petit, mais qui est assez exceptionnel. On a retrouvé un œil et une partie de la pupille. Celui-ci, il me semble que ça pourrait provenir d'un emplacement comme ici, le long de cette pierre taillée au droit. Cette fresque, commandée par le vicomte de Rohan, représente une scène biblique, le baiser de Judas, d'une qualité inédite pour l'époque. On est sur une technique très fine, une technique à l'huile qui permettait aux artistes d'utiliser une gamme de pigments vraiment très variée, d'où l'importance des rouges, des verts, des bleus qu'on a ici sur cette peinture. Cette technique à l'huile permettait aux artistes de rendre le relief, le fondu des textiles, des armures, du métal qui est ici très réaliste. C'est sûrement un artiste d'extérieur de la Bretagne, probablement picard ou flamand en tout cas, c'est surtout une commande prestigieuse, ça vaut très cher. C'est à la fois montrer qu'on est à la page en matière artistique, mais également qu'on montre à la vue de tous son pouvoir, sa qualité, la richesse d'un décor, sachant qu'on est dans la chapelle des Rohan. À l'étage, se niche un autre joyau oublié, lui aussi depuis le XVIIe siècle. Là, on a un lambris de la première moitié du 15e siècle hein, qui a été redécouvert il y a une vingtaine d'années. On ne savait absolument pas que c'était là. C'était masqué probablement là aussi depuis trois siècles. Et on a vraiment un ensemble tout à fait caractéristique de cette première moitié du 15e siècle. On a vraiment une qualité picturale qu'on redécouvre complètement avec une fraîcheur également des éléments, notamment sur les décors en brocart qu'on peut remarquer sur Sainte-Catherine, sur cette scène. La redécouverte des peintures murales, ça modifie un peu la vision qu'on a de Jean de Drouan, qu'on avait cantonné un peu comme un constructeur de château, un militaire. Là, on voit que c'est un vrai mécène, c'est un vrai noble, un grand féodal de son époque. Donc ça ne fait que confirmer le goût artistique et architectural de ce grand personnage. Le canal de Nantes à Brest traverse la Bretagne d'est en ouest. Il s'étend sur 360 km et parcourt une douzaine de rivières bretonnes. Dans le Morbihan, aux portes de Pontivy, se trouve l'échelle d'Écluse. Avec son dénivelé de 555 mètres, cet ouvrage d'art est une prouesse technologique. Il ouvre la navigation en 1842, après 30 ans de chantier. La construction du canal, ça a été vraiment ce que représente aujourd'hui le TGV, ce que représentent les autoroutes. Imaginez ce que la population ressentait quand ils ont appris la construction de ce canal. Qu'on leur disait qu'à partir de ce point-là, on pouvait aller à Saint-Malo, à Lorient, c'était une révolution. À l'époque, on avait des routes, des chemins de terre qui étaient impraticables. On leur a dit, écoutez, les rivières pourraient servir pour le transport de marchandises et on pourrait mettre un système de navigation fluviale. Et à partir de là, on a envisagé ce canal de Nantes à Brest.
C'est une Bretagne diverse. Vous n'avez pas les mêmes populations, vous n'avez pas la même économie, vous n'avez pas la même sociologie. Là, on parle breton, là, on parle patois. Ce canal, moi, je l'appelle, c'est le canal de l'unité de la Bretagne. Kader Benferhat s'est intéressé à cette fabuleuse histoire après avoir découvert le canal à l'âge de 20 ans. Quand cet enfant du désert algérien arrive en Bretagne pour ses études, il est immédiatement fasciné par cette abondance d'eau. Moi qui suis natif du Sahara, dans ma palmeraie, on avait des petites rigoles creusées à la bêche pour arroser les palmeraies. Et c'était pour moi une perfusion d'eau pour alimenter la palmeraie. Et quand j'ai vu la première fois une écluse avec des pierres et des portes, je me demandais qu'est-ce que c'était que ce sarcophage de granit dans lequel on enferme de l'eau avec des portes, alors que moi, j'ai jamais vu ça. Et à partir de là, ça a été un choc culturel vis-à-vis de l'eau. Et je me suis passionné pour cette histoire d'eau. Avec les moyens qu'on avait à l'époque, des pelles, des pioches, il a fallu creuser ce canal parce que les rivières étaient tortueuses, pleines de cailloux, etc. Il a fallu les aménager, il a fallu les élargir. Pour certains endroits du canal, on allait chercher les paludiers parce qu'eux, ils étaient habitués à travailler dans l'eau pour pouvoir venir enlever la vase, etc. Il y avait des prêches à l'église où on demandait de la main-d'œuvre, on demandait aux femmes. Il y a eu même des règlements où on demandait aux femmes de venir travailler avec les enfants pour pouvoir désenclaver la Bretagne, donner du travail et en même temps développer l'agriculture, amener toutes les marchandises. Bonjour. Salut, ça va? Pas trop fatigué, la manivelle, ça tourne? Ça va. Ah, bah, c'est bien ça. Nous sommes à l'écluse de Timaduc et là on a l'exemple même de la raison de ce canal. En 1841, les moines ont eu un manoir pour fonder cette abbaye. Parce que c'était un manoir qui était en désuétude, il fallait le reconstruire. On a utilisé les péniches et les gabarres pour amener toutes les pierres du château de Pontivy jusqu'ici. Plus au sud, sur la façade atlantique, le golfe du Morbihan et sa capitale, Vannes. La ville est réputée pour la richesse de son centre historique, témoin de son âge d'or entre le 15e et le 17e siècle. La cathédrale Saint-Pierre, de style gothique, surplombe la cité médiévale. À son sommet, la vue est idéale sur l'organisation de la ville. On voit que cet urbanisme, il n'a pas tellement évolué au fil du temps. On est encore sur une structure médiévale avec ces petites rues très serrées, cet habitat très dense, mitoyen, qui vient s'agglutiner autour de la cathédrale et de la cohue. Et donc tout ça, c'est resté quasiment intact pendant les siècles précédents. À l'intérieur, une merveille du Moyen Âge, interdite à la visite. Donc là, nous arrivons dans la charpente de la cathédrale, qui a deux particularités, qui sont sa dimension et son architecture. Sa dimension, pourquoi ? Parce qu'elle vient couvrir la plus grande nef de Bretagne. Elle a un déploiement sur les 15 mètres de large de cette nef, ce qui est assez incroyable. Et son architecture, parce que c'est une charpente à chevrons formant ferme, c'est-à-dire que les chevrons viennent assurer le port de la toiture. Et ces chevrons, c'est pas n'importe quel chevron, en fait, ils font 15 mètres de long. 15 mètres de haut, c'est-à-dire que c'est un arbre. Un arbre rectiligne, en chêne. Mais c'est pas n'importe quel arbre, c'est un arbre qui doit être droit, complètement parfait, sans imperfection. Vous avez sous les yeux une forêt entière. Ces chevrons sont restés apparents jusqu'au XVIIe siècle. Par la suite, ils ont été recouverts d'une volige. Cette volige a été mise en place par un artisan appelé le Loup Blanc en 1626.
Et la petite particularité, le petit point un peu singulier, c'est qu'elle est composée de lames de tonneaux. Et on peut le comprendre en observant les trous qui sont dans la volige. C'était les trous qui accueillaient le bouchon pour fermer les tonneaux. Ça, c'est quand même assez étonnant. Autour de la cathédrale, les maisons à pans de bois colorent les rues de la cité. Vannes est la deuxième ville de Bretagne après Rennes à conserver un tel patrimoine. On a devant nous un des exemples qui illustre bien les attributs de cette architecture. Un soubassement en pierre de granit qui permet d'éloigner les bois de l'humidité. Et les étages qui sont construits avec une ossature bois, donc des poteaux verticaux et des croix de Saint-André pour éviter qu'il y ait des déformations de structure. Là, on est rue Saint-Guénel. Donc c'est une rue dont la structure n'a pas du tout évolué depuis le Moyen-Âge. Ça se caractérise notamment par l'étroitesse de la rue, l'alignement des façades le long de cette rue, un étagement des constructions qui suivent la pente, et une grande densité en fait des constructions, une mitoyenneté des façades. Souvent d'ailleurs elles sont mitoyennes par des murs en granit. Et ce qu'on peut lire dans cette rue, c'est la technique de construction, les pans de bois courts. Alors pourquoi pans de bois courts? Parce que vous comprenez que cette rue est extrêmement étroite. Donc on va construire les façades étage par étage. On va les construire au sol, on va assembler ces pans de bois courts pour pouvoir les mettre en place directement. Ça va être très économique et on va pouvoir le faire rapidement. Pour protéger en fait ces jonctions, eh bien on va créer l'encorbellement. L'encorbellement va protéger l'assemblage et va surtout permettre de gagner quelques mètres carrés. Je pense que les gens de Vannes sont très fiers de ce patrimoine. Il n'y a aucune maison aujourd'hui qui est fermée, qui n'est pas habitée. Bien au contraire, tous les rez-de-chaussée sont habités de commerces, d'artisans. Enfin, on est dans la succession de ce qui a été construit au XVe siècle. Donc c'est un patrimoine vivant qu'on accompagne et qu'on inscrira dans le futur. Un patrimoine vivant que les Vannetais sont fiers d'entretenir. Katia est propriétaire de cette maison depuis 30 ans. Elle vient juste de finir les travaux à l'intérieur. Ici, c'est la chambre qu'on vient de rénover. Et vous avez un pur décor 19e, sauf les poutres. Les poutres qui sont magnifiques, mais en fait, vous voyez qu'elles sont tailladées. Donc ça, c'est un détail pur 17e. Mais normalement, elles devraient être recouvertes de plâtre et peintes. Voilà, c'est la petite différence et on les laisse comme ça. J'ai beaucoup de respect pour cet appartement et j'essaie de retrouver ce qui était alors, tout en mettant ma touche personnelle, bien sûr, mais de respecter. Alors ici, on a cet escalier qui nous a donné du fil à retordre parce qu'il était dans un coffre. Et quand on a rénové cette pièce, donc on a cassé le coffre et on a découvert cet escalier pur 17e. On s'est usé les mains dessus. Il était plein de clous, plein de lattes. Et voilà, il est superbe. Moi, je l'aime beaucoup. À l'étage, la rénovation de la chambre d'amis se termine. Bon, ça va? Oui. La deuxième couche, ça se passe bien? Parfait, je suis en train de finir. Donc je fais celle-ci, hein? Oui, s'il te plaît, oui. Puis je ferai le bord après. Elle aura eu sa deuxième couche comme le reste. Voilà. Et on aura fini. Parce que c'est pas rien quand même. On n'est que de passage, finalement, voilà, on va dire. Tout à fait. Donc on veut y apporter notre touche d'aujourd'hui, mais sans détruire le fond, voilà, et l'histoire de la maison. Enfin, on veut la conserver telle qu'elle est et qu'on puisse l'admirer encore comme ça pendant très très longtemps. On n'a pas l'instinct de la propriété, on est de passage et on essaie de faire le mieux possible. On transmet, quoi. Voilà, on transmet. Guillaume Surger est architecte du patrimoine. Il supervise la restauration du bâtiment le plus célèbre de la ville, situé sur la place des Lys. C'est vraiment sympathique d'arriver aujourd'hui sous le soleil, voir cet immeuble
emblématique de la ville de Vannes, un hôtel particulier connu sous le nom d'hôtel de Francheville. À savoir qu'en fait, c'était une erreur en quelque sorte des historiens du 19e siècle qui avaient déterminé que c'était Francheville qui était propriétaire de cet immeuble. Et en fait, c'était plutôt celui d'à côté, d'après les archives. Donc en fait, ici, c'était l'hôtel Minier, le nom du constructeur, un riche marchand vannetais au 17e siècle qui fait construire cette propriété. La partie principale de l'édifice ici, c'est vraiment cette échauguette. C'est une petite tourelle d'angle, une pièce d'apparat, hein, parce qu'il n'y a pas vraiment d'usage particulier, qui, avant les travaux, était vraiment en mauvais état. On était obligé de tout démonter et puis petit à petit on a tout remonté avec un travail d'appareillage soigné, c'est-à-dire que les pierres sont vraiment taillées précisément pour que l'ouvrage puisse tenir. Le chantier est colossal. L'hôtel particulier est restauré de fond en comble, comme cet escalier en balustre de bois datant du XVIIe siècle. Il faut savoir que quand on est arrivé, tout était recouvert de peinture marron. L'escalier était un peu brinque-ballant, les nez de marche étaient un peu pourris. Et toutes les parties pourries ont été découpées. Et donc après, on fait une greffe de chêne qui vient reprendre la partie saillante de la marche qui était en mauvais état. L'objectif, c'est de ne pas tout refaire à neuf. L'objectif, c'est de conserver le maximum d'éléments du patrimoine, ici en plus de qualité, et puis de point par point, regarder ce qu'on peut garder, ce qu'on peut enlever, etc., pour que ça soit quand même homogène dans l'ensemble et qu'on puisse transmettre ça dans le temps sans éléments criants de nouveautés. Il faut savoir qu'on s'adapte à chaque fois à la situation. Ici, par exemple, on a une partie qui semble comme ça dégradée. En fait, ça correspond à l'aubier, donc à savoir la partie qui est extérieure du tronc d'arbre initial, qui est plus tendre, et les insectes attaquent cette partie-ci. Pour autant, ce n'est pas une partie qui peut mettre en danger les utilisateurs. Donc, dans la situation, on décide de le conserver. Chaque détail ici a son importance, jusqu'au verre des fenêtres. Ça se passe comme vous voulez. Ouais, ouais. Non. Tu descends, hein. Sur cette menuiserie neuve qui est en chêne, on a utilisé un vitrage qui est soufflé, à savoir qu'il n'est pas plan comme les vitrages contemporains, ce qui permet d'avoir un effet de lumière intérieure qui ressemble un peu aux vitraux. Cette restauration, une fois achevée, va redonner ses lettres de noblesse à la place des Lys. Il est 8h et comme chaque mercredi, Gilles Le Gallès, le chef du premier restaurant gastronomique bio du Morbihan, vient chercher ses légumes et ses fleurs. Pour la création de ses plats, il retrouve Jean-Philippe, producteur bio depuis 3 générations. Donc là, on a toutes les carottes anciennes qui sont là. Les navets jaunes, voilà, les radis noirs aussi en dessous. Oui, absolument. On a de la couleur, c'est juste magnifique ça, c'est magnifique ça. On est dans notre terroir, dans notre territoire, c'est ça qui est beau là. On est bon là, puis on est dans le... Il y a un vrai parfum, une carotte, ça sent bon une carotte. Surtout là, quand ça vient d'être... C'est tout frais, ça vient d'être cueilli, c'est juste magnifique. C'est de la moutarde ça. Il y a une explosion de saveur en bouche. On en met très très peu en fait dans une assiette. Et ça suffit à ouvrir les papilles, en fait. C'est ça l'objectif de ce genre de choses. Les fleurs, fais voir, tu as mis capucine. Capucine, sauge. D'accord. Et fleurs jaunes de chou chinois. Donc là, on a de la fleur de sauge. On n'est pas encore sur la sauge ananas, hein. C'est les non, premières mais sauges, là. Elle est quand même assez fruitée, ça. Oui, ouais. Elle est fruitée. Là, on est sur la capucine, donc on est sur une tonalité poivrée. Les radis de couleur, est-ce qu'on en a pris? Non, mais ils seront pas... Ils sont un peu gros, peut-être, pour moi. Ouais, d'accord, ils sont trop piquants. Merci pour le conseil. Bah, c'est pour être... Moi, jamais je vais dire j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. C'est lui qui va me dire, je fais ça, aujourd'hui j'ai telle chose. Et c'est là-dessus que moi, je vais devoir travailler et que je vais m'adapter, parce que c'est lui qui connaît sa terre, c'est lui qui connaît sa zone de production et qu'il est en capacité de m'apporter. En plus, c'est son savoir-faire. Et moi, derrière, je dois m'adapter, tout simplement, j'ai pas d'autre solution. Et c'est normal. C'est normal, c'est la base de mon métier. J'ai redécouvert le Morbihan quand je suis revenu il y a une dizaine d'années. Et enfin, les lumières, enfin, quand on vient se promener ici, sur le marché, dans la ville, la vieille ville de Vannes, elle est magnifique et on se sent bien.
Direction la Gacilly, à 50 km dans les terres. Le Morbihan, pour moi, c'est le bord de mer, bien sûr, avec le golfe, avec Vannes. Mais aussi, il y a l'arrière-pays qui est magnifique parce que dès qu'on fait une dizaine de kilomètres, on est en pleine nature, en pleine campagne. Et nous avons cette chance d'être dans un coin qui est resté protégé. Enfin, moi, je suis sensible à tout ça. C'est quelque chose qui m'aide, qui m'inspire, que l'on retrouve quelque part dans la cuisine que je fais au quotidien. La Grée des Landes est un hôtel réalisé entièrement en éco-construction, avec du bois et du schiste breton. Il abrite le restaurant de Gilles. Le chef y conçoit ses menus, avec les légumes de saison et les aromates qu'il récolte dans son potager. On va ramasser la fleur de thym, là. On est en plus en pleine période. On a nos amis qui sont là, là, les abeilles. Elles sont là, en train de travailler. On ne les dérange pas, elles sont contentes d'être là. La fleur de thym, on va la mettre dans le mi-cuit de bar ce midi. Et là, on est dans un parfum absolument... Ah, c'est magique, ça. Hein, on a presque envie de se parfumer avec. Et on a des oignons à ramasser aussi, on en a besoin. Là-bas, tout à l'heure, en revenant. On a de l'oseille sauvage là-dedans aussi, t'as vu? Ouais, j'ai vu. Tous les jours, Gilles met en valeur le végétal dans ses assiettes. Tu veux bien tenir ça? Et il aime créer la surprise. Là, on va mettre les coquelicots aujourd'hui en décoration dans les assiettes. Ça va nous apporter... Alors, c'est pas que de la décoration, hein, parce que là-dessus, c'est quelque chose qui a du goût quand même. Hein. Mais on est dans une assiette avec une note rouge que l'on n'attend pas du tout, quoi. Depuis le début de la construction, on a cette volonté de préserver le site. 5 ans après, on a pu constater qu'il y avait plus d'espèces animales et plus d'espèces végétales. Donc on a créé la possibilité à toutes ces espèces de revenir sur le site. C'est un vrai retour et c'est un vrai reflet de la biodiversité. En cuisine, une jeune brigade de 9 personnes s'active. Gilles commence à préparer le plat du jour. Aujourd'hui, on va être sur un mi-cuit de bar. Alors, on a ce bar qui est magnifique, bien sûr. Et là, on va l'associer avec des carottes anciennes. Et ces carottes anciennes, on est dans des légumes bio. On n'a pas besoin de les peler. On les a simplement lavés. Alors, bien sûr, il va y avoir un peu d'échalote, un peu d'ail. Et là, on va parfumer tout ça avec cet estragon mexicain qui vient de notre potager. C'est le mariage de tout ça qui va nous permettre de retrouver toutes nos origines, toutes nos racines dans un même plat, un peu de terre, un peu de mer, et puis notre côté local, bien sûr. Ici, la carte change tous les 2 mois, en fonction des saisons. On est sur un tout petit filet d'huile, surtout pas trop. Bon, pendant que le bar est en train de cuire sagement, on va remettre les légumes à chauffer, les oignons, les carottes. Et donc maintenant, on va hacher le bar. Et là, donc on voit très bien qu'on a 2 textures différentes. On a la texture qui est cuite et celle qui est pratiquement crue, même si elle a pris de la chaleur. Donc on va y ajouter un petit peu une pointe d'ail. Trop, bien sûr. Au milieu, on va mettre un peu de fleur de thym. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de fromage de chèvre. Étape finale, le dressage minutieux des assiettes. Oui. On met 4 minutes pour dresser une assiette. Qu'on ait une bonne température, que ce soit bien chaud, pour qu'ici, on travaille sous une rampe et que ça parte très rapidement. Allô, chef, un bon. Merci, ça marche, messieurs. 2 mi-cuits de bar. Chef. Merci, messieurs. On enlève, s'il vous plaît, 2 langoustines. On enlève, s'il vous plaît. Oui, chef. Fait marcher, s'il vous plaît, 2 langoustines de la 202. Et voici, madame. Merci. Vous allez retrouver, mesdames, pour suivre les mi-cuits de bar au fromage de chèvre et estragon mexicain du potager.
Je vous souhaite une bonne continuation. Merci. Je vous en prie. Je ne suis pas un grand passionné des discours en salle, mais j'aime bien jeter un coup d'œil. Je regarde l'expression des gens. Et c'est vraiment la récompense pour nous, la satisfaction. On est là pour ça, pour leur donner du plaisir. Et c'est important que je capte ça en les regardant. Il semble que tout va bien. Je vois des sourires, apparemment. Tout va bien. On sent qu'il y a plein de petites herbes avec des petites pointes très différentes. Il y a des petites surprises en permanence, en fait. Dès qu'on croque dans une herbe, dans une fleur, hop, c'est une saveur nouvelle qui émerge, c'est délicieux et très surprenant. On va de surprise en surprise. À l'ouest du Morbihan, le Blavet. La rivière traverse le département du nord au sud sur 150 km. Le canal du Blavet devient maritime à partir de la ville de Hennebon. Une ancienne cité des ducs de Bretagne, fortifiée à partir du XIIIe siècle. Pour Linda et Tanguy, le temps presse. Ils doivent quitter la ville. Il faut passer les ponts à la mi-marée pile poil, et ni 10 minutes avant ni 10 minutes après. Donc il ne faut pas trop traîner, parce que sinon après, il y a trop d'eau et on passe plus sous la hauteur des ponts. Allez, vas-y, tu peux larguer tout. Leur péniche hollandaise de 26 mètres est l'une des seules embarcations à naviguer au départ de Hennebon. Le chenal est relativement étroit, assez sinueux. Et donc, avec un bateau de cette taille-là, c'est vrai que il faut quand même bien viser son coup. La première fois, la veine du débutant, moi, je me suis jeté dedans en disant « à mi-marée, ça doit passer à peu près ». Je disais « je ferai demi-tour si jamais ça passe pas ». Et c'est par la suite, en fait, que j'ai réalisé en fait, que j'avais eu pas mal de chance la première fois que je me suis présenté là-dedans. Et que, en fin de compte, ça méritait d'être un peu préparé quand même. Vous voyez quand même les effets du courant, les remous suffisent à faire bouger le balisage. Linda et Tanguy sillonnent la Bretagne depuis 10 ans et aiment partager leur passion. Hennebon a été le port le plus important avant que l'Orient soit construit en 1666 par la Compagnie des Indes. C'était vraiment le seul port de la côte ici sur le Morbihan. Et en fait, quand l'Orient a été construit en 1666 par la Compagnie des Indes, du coup, il a volé la vedette à Hennebon. On n'avait pas la remontée du Blavet à effectuer, donc effectivement, on gagnait du temps. Il y avait énormément de bateaux sur le Blavet. On comptabilisait à peu près 800 bateaux par an. Ici, on commerçait beaucoup de produits qui venaient du Pays de Galles. On faisait venir du charbon, puisqu'on n'avait pas de charbon en Bretagne, mais on avait des forges. Donc, il fallait du charbon pour faire fonctionner les forges. Et nous, en contrepartie, on leur expédiait des poteaux de mine, parce qu'on avait de grandes forêts de pins, et on exportait des poteaux de mine pour étayer en fait, les galeries. C'est sur le Blavet que les jeunes mariniers continuent leur aventure depuis 2 ans. C'était un projet de vivre sur l'eau et moi j'étais plutôt fluviale, Tanguy plutôt maritime. Et du coup on s'est dit il faut trouver un bateau qui fasse un peu les deux et du coup qui nous permette d'aller de l'un à l'autre. Je préfère les parties maritimes en termes de paysage et je trouve que la navigation devient plus intéressante. Donc vous allez voir le château apparaître juste derrière le virage, le château de Loguenolé. Alors ce château est très récent, il est du 19e siècle. D'abord, on voit la dépendance du château, qui elle est du 17e. Mais on raconte, d'un point de vue de la légende, qu'il y aurait eu un château primitif ici au 6e siècle, construit par Saint Guénolé. Après 2 heures de navigation, ils croisent un décor surprenant.
Alors on arrive au cimetière de bateaux de Kerervi, en fait, où on voit beaucoup d'anciens dundis. Donc les dundis, en fait, ce sont des bateaux qui ont été construits à Groix et qui pêchaient au thon entre le golfe de Gascogne et l'Irlande. Donc ils suivaient des bancs de thon. Et ces dundis, en fait, ont atterri là parce que les Groisillons, donc les habitants de l'île de Groix, ont essayé de cacher leurs bateaux pendant la Seconde Guerre mondiale pour éviter que les Allemands ne les réquisitionnent ou les détruisent. Et après la guerre, ils ne sont pas venus les rechercher, tout simplement parce qu'ils sont passés sur des bateaux plus modernes, plus techniques. Et ils ont décidé de laisser leurs bateaux mourir ici, dans le Blavet maritime. Le cimetière de bateaux, en fait, c'est des choses qu'on retrouve un peu sur toutes les côtes de Bretagne. Certains trouvent ça triste parce que c'est des bateaux qui n'ont plus de vie, qui sont là pour finir leur jour. Mais pour nous, c'est important, ça fait partie du patrimoine local et c'est un souvenir des bateaux de travail qui ont eu une fonction et qui ont leur place encore dans nos paysages. Donc on est assez fiers ici de nos cimetières de bateaux. C'est un paysage exceptionnellement riche. Là, maintenant, petit à petit, la rivière va devenir mer, puis va devenir océan. Et c'est, on a la chance, avec un chemin relativement court, de pouvoir apprécier une diversité de paysages qu'on verrait sur 100 km à d'autres endroits. Quoi. C'est, le lieu est magique pour ça. C'est un luxe exceptionnel hein, pour nous quand même, de travailler dans un cadre comme ça. On est conscient d'avoir beaucoup de chance. Café ou thé Qu'est-ce que tu veux? Vous savez quel café? Linda habite sur ce bateau depuis 2008. Un mode de vie qui suscite la curiosité des passagers. Vous pouvez visiter? Ah bah volontiers. J'ai entendu parler d'un bateau qui faisait ça pour vous, sur la partie canalisée. Donc là, en fait, on est dans la cale, là où on mettait le fret. Incroyable. À l'époque. Donc on a transporté du charbon, de la houille, du blé, de l'orge entre les Pays-Bas et l'Allemagne. Il a servi jusqu'en 1953, ensuite elle a été abandonnée jusqu'en 1983. Et en 1983, l'ancien propriétaire l'a réaménagé en habitation. À l'origine, en fait, le marinier n'avait juste qu'une petite une place à côté du moteur. Il dormait à côté du moteur bien au chaud, il avait une banette. Un poêle à bois, il se cuisinait à côté du moteur. Donc aujourd'hui, bah, ça s'est beaucoup transformé. Maintenant, c'est un gîte, alors. Il faut baisser la tête parce que ici, le mât vient s'encastrer. Comme c'est un système de bateau avec mâture, le mât, en fait, quand il est relevé, vient s'encastrer dans cette partie-là. Donc forcément, il faut baisser la tête pour aller se coucher. Incroyable. Et voilà, il y a combien de couchages ? Alors on peut dormir à 8. On a deux cabines simples ici, une cabine double. Et à l'entrée, on a donc 4 couchages en incroyable. Cabine double. Il faut juste faire attention le matin, ne pas se lever trop vite pour ne pas se cogner la tête. On ne peut pas s'imaginer de l'extérieur. C'est incroyable. Les jeunes mariniers vont bientôt quitter leur péniche. Ils vont habiter l'une de ces maisons éclusières qui jalonnent le canal depuis un siècle et demi. Elles viennent d'être restaurées par la région pour offrir une seconde vie à ce patrimoine breton et faire revivre les bords des canaux. Le couple est en train de transformer l'une de ces maisons en gîte. Aujourd'hui, c'est l'inauguration. Pour fêter l'événement, leur péniche remonte la rivière, tractée par un cheval, comme les chalands au 19e siècle. Tanguy, un peu à l'arrière. Là, je suis en train de leur demander de ralentir, en fait. Le câble de traction étant oblique, inévitablement, il nous ramène vers la berge. Donc du coup, pour que le chaland puisse s'écarter de la berge, il faut que le câble ne soit pas sous tension. C'est pour ça que je leur demande d'y aller par à-coup, pour qu'on ait le temps de se réécarter. Les anciens, ils savaient faire, hein, il ne faut pas croire, mais avec des petits moyens,
Et c'est ça que je trouve magnifique d'ailleurs. Ils arrivaient à déplacer quand même des trucs qui étaient quand même assez conséquents. Là, on est quand même en train de balader 60 tonnes comme ça, juste à l'aide d'un cheval. Et voire même, c'était les hommes ou les femmes d'ailleurs, souvent en Bretagne, qui tiraient le chaland à la main et ils s'en sortaient. Hein. On va remettre le moteur en route juste à l'arrivée parce qu'on va falloir freiner le bateau. Je ne sais pas comment ils faisaient à l'époque pour arrêter le bateau, mais nous, on va remettre du moteur au moins pour faire marche arrière à l'arrivée. Sur place, une centaine de curieux les attendent pour la réouverture du lieu. Linda et Tanguy ont même aménagé une guinguette au bord du Blavet. Une complète, on a dit. Hein. Ouais. Petit à petit, j'ai assisté en fait à la transformation du lieu. J'ai vu renaître cette écluse, quoi. Alors ça me fait quelque chose parce que mes grands-parents étaient éclusiers. J'y allais régulièrement, je dormais dans la maison éclusière. Ça me fait toujours quelque chose de voir renaître une écluse, quoi. La maison est encore en travaux à l'intérieur. Donc en bas, c'était les pièces à vivre, hein, cuisine. Oui, et puis, bah, et puis je salon. Reconnais bien la maison de mes grands-parents, oui. La cuisine d'à côté, les c'était chambres de l'autre. Donc là, on a deux chambres, une de chaque côté. Je ne sais pas si vous avez dormi, vous, dans une des moi, chambres. Moi, je dormais en bas. Voilà, donc on a une chambre qui donne sur le Blavet et l'autre qui donne sur une terrasse, également sur le Blavet. Ça fait 10 ans qu'on vit sur le bateau, donc ça va nous faire bizarre d'avoir une chambre avec hauteur sous barreau, enfin hauteur sous plafond plutôt. Donc ça va être changement un peu de vie, quoi, mais avec toujours la navigation et les balades, donc ça continue. Plus au nord, le Blavet traverse la forêt de Kénécan. Ici se trouve le plus bel exemple de patrimoine industriel du Morbihan. Cet ancien village sidérurgique a abrité la plus grosse forge à bois de Bretagne au XIXe siècle. Le site, parfaitement conservé, appartient à la même famille depuis 1802. Chaque printemps, parents et enfants se retrouvent pour entretenir les bâtiments. Les fenêtres, elles ont été refaites avec la réfection il y a 25 ans. Si vous ne les peignez pas régulièrement, bah, on est obligé de changer les fenêtres. Et on a d'autres choses à faire avant de changer toutes les fenêtres. Il y en a tellement, il y en a plus de 100 ici. Ça fait 26 ans que c'est en train d'être refait. Et chaque année, plaf, on refait selon les moyens. Dans la mesure où c'est ouvert au public, comme ça on a des visites qui peuvent financer la réfection des toitures. Donc ça a commencé, on a presque fini. Il y a 40 bâtiments ici. Ça représente des dizaines de milliers de mètres carrés. À l'autre bout du domaine, Stéphane, le propriétaire, rénove les clôtures. Là, c'est l'entrée du village des Forges. Mais on repeint aussi à l'intérieur du village, tout le long de la route. Il y a un peu plus d'un kilomètre de barrière, comme ça. Tout le monde s'y met un petit peu pour que ce soit propre, que le village revive. Et pour avoir aussi un cadre de vie intéressant, parce qu'on habite là, quand même. Avant chaque ouverture, nous essayons de mettre un petit peu la main à la pâte pour donner un petit peu de couleur avant que les visiteurs arrivent. Au centre se trouve le bâtiment le plus emblématique du village. Un haut fourneau de 12 mètres qui a produit de la fonte pour toute la région. Avant que les forges ne ferment en 1877, le village a compté jusqu'à 200 personnes. On est devant la maison des forgerons, on appelle la rangée.
C'est là qu'habitaient les forgerons, c'est un petit peu les chouchous du village. C'est-à-dire que c'était les privilégiés, ils étaient à côté de l'endroit où ils devaient travailler. Chaque famille avait sa petite maison avec une pièce unique. Et puis il y avait un grenier à foin à l'étage, parce qu'ils avaient le droit d'avoir chacun une vache et une poule. Et dans cette pièce unique se tenait toute une famille. Il y avait trois générations, les grands-parents, les parents, les enfants. Bon, le sol par terre, c'était de la terre battue. Il y avait des lits partout. Derrière, il y a deux petites pièces pour mettre les denrées alimentaires. Et puis, comme ça, on vivait en fait ici. On venait surtout pour dormir et un petit peu pour préparer la cuisine. Là, dans la cheminée, il y a un trépied qui a dû être fabriqué ici. Il y a un grand chaudron, une crémaillère et puis une galettoire, une grosse plaque où on pouvait faire les galettes. En face, dans des maisons plus raffinées, résidaient les contremaîtres. Il y a quelque chose d'assez sympa ici. On peut voir le tour des fenêtres. C'est de la pierre très très locale. Ça vient de la forêt de Kénécan. C'est du schiste avec à l'intérieur des inclusions de cassiolite. Bon, ça c'est un peu le nom un peu scientifique, mais on appelle ça des macles. Ça fait une espèce de petit losange. Et ces petits losanges, c'est ce qui a inspiré le blason des Rohan. Ici, c'est le territoire des Rohan. C'est eux qui ont fondé les forges. Les forges sont passées en 1802 à la famille de Jean Zé. Maintenant, ce sont les descendants qui le possèdent. Mais quand même, nous, on est toujours très fiers d'avoir ces macles ici. Et les Rohan sont toujours très présents dans la propriété. Aux forges, les ouvriers bénéficiaient de conditions sociales inhabituelles pour l'époque. On avait 100 ans d'avance au point de vue social ici. Les veuves étaient rentées, elles étaient logées à vie ici. Si elles avaient des enfants, leur rente était supérieure. On rachetait le numéro à la conscription. On pouvait racheter si vous n'alliez pas à la guerre. On vous prêtait l'argent pour éviter le départ pour 5 ans. Et puis, il y avait l'éducation. C'était pas un vain mot, parce qu'on a vu deux enfants qui sont nés dans la rangée des forgerons, donc des fils de forgerons, qui ont fini maîtres de forge. Mais les innovations sur le site étaient aussi technologiques. En 1924, le comte de Jean Zé a transformé cette orangerie en château d'eau. Il y avait aussi l'électricité grâce à une turbine. Comme ça, il y avait l'eau et l'électricité en 1924. C'était vraiment la pointe du progrès. Moi, je me souviens, quand je suis arrivée la première fois ici, j'ai vu cette petite maison. J'ai trouvé ça extraordinaire. Donc, je l'ai transformée en hébergement insolite. Donc, c'est une petite chambre pour les amoureux avec une vue à couper le souffle. Quand je suis ici, je vois le village. On est là, protégé et tout. Je pense à tous les gens, tout ce qui a été vécu ici, toutes les familles dans leur maison, tout ce monde qui a vécu ici. En fait, ils ont laissé un peu leur âme. Et en fait, quand on vient ici, c'est très authentique et c'est habité. Tout autour de cet ancien village, la forêt de Kénécan s'étend sur 3000 hectares. Une forêt privée dont Stéphane a aujourd'hui la charge. Cette forêt est dans ma famille depuis un peu plus de 200 ans. Elle a réussi à rester toujours dans la famille, c'est-à-dire que le village des forges, la forêt, les terres qui vont avec sont tous restés dans une seule main, ce qui permet de la gérer convenablement. Ce qui me tient à cœur, c'est que d'abord j'y suis né, ensuite j'y ai toujours travaillé, mon père y a toujours travaillé, mon grand-père habitait là. C'est notre cadre de vie, c'est aussi le cadre de vie des habitants de la région qui en profitent pour venir soit chasser, soit ramasser des champignons, soit se promener. Et voilà, c'est tout cet ensemble que je tiens à préserver. Stéphane en a fait son métier, exploitant forestier.
Ce matin, il vient sélectionner les arbres qui seront abattus dans la journée. Là, je marque cet arbre parce que il est tout tordu. Et en fait, il ne va jamais donner un arbre de qualité. Et du coup, je le choisis pour le couper. Les bûcherons vont le couper. Et ça va bénéficier à ceux qui sont autour. Au total, il va marquer plus d'une centaine d'arbres. J'ai accompagné mon père en forêt depuis toujours. C'est lui qui a planté ces arbres-là. Donc je les ai vus quand ils avaient 2 mètres. Maintenant, ils sont grands. Et à mon tour de m'en occuper. Donc ça me fait un peu mal au cœur de les couper, mais voilà, c'est la vie, il faut le faire. La machine coupe l'arbre à la base, l'épluche complètement, enlève toutes les branches, et ensuite, en fonction des longueurs demandées et des diamètres des bois, fait différents produits. On coupe le bois l'hiver quand c'est pour faire du bois de chauffage, parce que c'est hors sève, hors feuille. Par contre, les résineux, on peut les couper toute l'année. Au cœur de la forêt, le saut du chevreuil est le belvédère de la propriété de Stéphane. On est un petit peu hors du monde ici, c'est un endroit un peu mythique de la forêt. Là, on voit l'étang du fourneau, qui est l'étang qui est près des forges et qui alimentait en eau le haut fourneau, et les mamelons de la forêt qui est très très accidenté ici. J'ai la chance de travailler dans un cadre magnifique. Et donc voilà, j'y suis attaché, j'y passe ma vie et j'y trouve beaucoup de bonheur. Au bord de l'océan, la presqu'île de Ruys, un territoire préservé entre terre et mer que domine le château de Sussignaux, une ancienne résidence des ducs de Bretagne. C'est au pied du château que se trouve la seule ferme fromagère du territoire. Il est 7h, l'heure de la traite du matin. Allez, on y va. On verra ça. Une opération que Gurvan pratique en famille. On a commencé avec 2 vaches. Tout ce que vous voyez, c'est sorti de terre quand on est arrivé en 99. Et tout a commencé à partir de là. Donc ça a commencé par 2 vaches qu'on a achetées, qu'on a traites à la main. Après 2 autres. Et puis après, ainsi de suite, le troupeau s'est créé comme ça. Au fur et à mesure, maintenant on arrive à 32 vaches à peu près. Donc la petite Bretonne Pinoire, c'est une petite vache de Bretagne qui fait un lait de qualité. Enfin, je veux dire, c'est une vache qui est complètement adaptée à son territoire. En fait, moi, je suis vraiment issu de famille agricole bretonne. Et cette vache-là, qui était la vache de mes grands-parents, de mes arrière-grands-parents, il y a eu un petit lien un peu viscéral qui s'est mis, et puis aussi une responsabilité de continuité, quoi. Parce que s'il n'y a pas des gens pour la maintenir en nombre, c'est une vache qui disparaîtra. C'est clair. Il faut savoir que c'est une vache, en 1900, il y avait à peu près 900 000 têtes. Et dans les années 70, il en restait 300-400. Vous vous rendez compte, la capacité de l'être humain à éradiquer quelque chose. On a décidé qu'on ne voulait plus de cette vache-là. En 70 ans, elle a disparu. Le lait, uniquement destiné à la fabrication de la tome de Ruys, alimente directement le laboratoire. Salut Céline. Salut. Tout va bien? Ça va, ça va. On fait comme ça pour voir si le cahier est bien.
Donc là, il est parfait. Donc du coup, là, je découpe le cahier. Donc, hop. Et si on attend trop longtemps, bah, ça ne va pas avoir la même consistance. Le fromage n'aura pas la même texture. On a notre moment où on décide de démarrer, c'est là. On va amener le cahier à une granulométrie qu'on a choisie, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et tous ces petits détails-là font que la tome de Ruiz, elle est devenue un fromage à part entière, un fromage de la presqu'île. Deuxième étape, le moulage de la tome. Là, c'est pour essayer de bien répartir dans tous les moules, pour essayer d'avoir des fromages à peu près tout le temps de la même taille. On passe d'une masse liquide, et dans 2 minutes, vous allez avoir une masse solide. C'est incroyable de ce que la nature peut nous faire. Ces fromages sont ensuite affinés sur place. Donc là, ça, c'est un petit fromage d'hier matin. Donc c'est du jeune fromage, juste salé, tout frais. C'est très parfumé déjà, hein, c'est très lacté comme goût. Après, vous avez du jeune fromage qui a une quinzaine de jours. Donc là, on a des fromages qui ont 6 mois, 6-7 mois d'affinage. Et sur des vieux fromages, on appelle ça des tomes cironnés. Le ciron, c'est un petit acarien. C'est une petite araignée, en fait, qui vit sur le fromage et qui donne au fromage ce petit goût cironné. On dit un goût cironné. Et il donne au fromage cet aspect un petit peu granitique, ce côté un peu caillou de bord de mer, un gros galet qui est façonné par le temps. C'est l'extérieur, mais c'est à l'intérieur que tout se passe, en fait. Gardez un petit peu cette couleur. Là, vous êtes sur un fromage qui est incroyable. Très, très bien affiné. Bah oui, hein. C'est gras, c'est légèrement piquant, il y a le petit goût du sel qui remonte derrière, du sel breton. Voilà, vous avez tout le terroir là, dans un petit bout de 1 cm sur 1 cm. Vous avez la presqu'île, le soleil, parce qu'il faut aussi du soleil pour faire pousser l'herbe et pour donner aux vaches l'envie de manger et de donner un bon lait derrière. Non, c'est exceptionnel. On a un terroir qui est incroyable et donc voilà, on est dans un secteur qui est beau, quoi. On a la mer à 200 mètres, on a le château de Suissignaux, on est dans la nature, on est vraiment dans un petit paradis, un petit écrin incroyable de sable, de soleil, de terre. On a le mélange de la terre et de la mer, donc c'est exceptionnel. Morbihan n'est pas seulement une terre de tradition et d'histoire, c'est aussi une terre de mystère. Les fameux alignements de Carnac n'ont pas fini de nous intriguer, de nous fasciner. Nous sommes ici à Kermario, au cœur du plus grand ensemble de mégalithes au monde. 3000 menhirs de granit sur près de 4 km. Ils datent du néolithique et peuvent être considérés comme le tout premier acte architectural de l'histoire. Ici, comme sur les sites alentours, ils sont mis en scène d'est en ouest, du plus petit au plus grand. Certains sont imposants, voire écrasants. Et le gardien de ces lieux, c'est vous, Jacques Buisson-Catil. Vous êtes conservateur général du patrimoine. Alors, est-ce qu'on sait pourquoi de tels alignements ici, précisément, à Carnac? Ce qu'on peut avancer aujourd'hui, c'est qu'on était sur un territoire privilégié, proche de la mer, avec probablement
une ou plusieurs personnes extrêmement puissantes sur le secteur, d'un point de vue économique notamment, puisqu'il y avait la maîtrise de la mer, mais aussi la production du sel blanc. Sel blanc qui était l'or blanc de l'époque. Donc on peut très bien imaginer que ce secteur était extrêmement important, que les hommes puissants dont je parlais précédemment ont fait ériger justement des architectures pour montrer leur puissance. Une puissance qui se voyait de loin, parce que là on est sur une toute petite partie à l'époque du Néolithique, en 3500 ans avant Jésus-Christ, il y avait beaucoup plus de menhirs. Et ce qui est sous nos yeux n'est qu'une infime partie de ce qui devait exister à l'époque, puisqu'aujourd'hui on retrouve des alignements immergés dans le golfe, à Quiberon, etc. Ce qui montre bien que le niveau de la mer a monté de plusieurs mètres, jusqu'à 5 mètres. Donc on a une partie seulement de ce qui était à l'époque un projet absolument gigantesque, un projet de territoire gigantesque. Alors, c'est vrai qu'on l'a dit, ces menhirs sont placés d'est en ouest, du plus petit au plus grand. J'imagine qu'à l'époque du Néolithique, ça avait une signification. Le constat qu'on peut faire aujourd'hui, c'est effectivement que sur l'ensemble des alignements, on observe cette gradation d'est en ouest. Une mise en scène. Une mise en scène, peut-être une théâtralisation de l'espace. Mais il est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, il est très difficile de donner une réponse rationnelle à cette observation. Ça reste un mystère. Alors, pour percer ce mystère, vous, les archéologues, les historiens, vous avez beaucoup travaillé sur un site qui se trouve tout près d'ici. On va s'y rendre ensemble. Alors, nous sommes maintenant sur le site du Ménec. Qu'est-ce qu'il a de particulier ? Eh bien, la partie occidentale dans laquelle nous nous trouvons se termine par une enceinte constituée de stèles jointives, longtemps interprétées comme un temple auquel on accédait par ces alignements dans la partie ouest. Maintenant, il y a une deuxième hypothèse aussi. Hein. Alors, il y a une hypothèse qui est très séduisante aujourd'hui, c'est celle de frontières, de filtres minérales qui informaient les personnes qui venaient de la mer ou de l'intérieur des terres qu'on arrivait sur un territoire particulier, puissant, et qu'il fallait faire très attention. Alors, ce qui est étonnant et particulier également dans ce lieu, c'est que les maisons ont été construites au milieu des menhirs et parfois d'ailleurs sont collées à eux. Alors, c'est vrai que ces mégalithes participent du quotidien des habitants de ce territoire depuis toujours. Mmh. Et nous avons un exemple devant nous, par exemple, d'imbrication tout à fait parfaite avec le mur pignon de cette maison qui s'adosse sur les restes de l'enceinte néolithique. Mmh. Alors, on venait aussi se marier dans ces alignements. La vie quotidienne, c'était dans les alignements, hein, ouais. Généralement dans les mégalithes du sud Morbihan. On s'y marie. Les femmes viennent aussi se frotter aux menhirs pour leur fertilité. Ah oui. Les enfants ont joué de tout temps dans les menhirs. On racontait aussi aux touristes la légende de Saint Cornélie. C'est quoi cette légende ? Alors, c'est un des premiers papes qui aurait transformé les soldats d'une armée romaine en bloc que vous voyez devant vous. Ah, ça, c'est de la légende bretonne. Ouais, c'est une légende encore très vivace. Et il y a de la fierté ici d'avoir ces alignements, parce qu'on est dans un site unique au monde. Ah, c'est un site tout à fait unique au monde, à tel point qu'un processus d'inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO est en cours depuis plusieurs années et qui fédère tous les acteurs du territoire, élus, associations, habitants, États, dans un même élan, en direction de ce magnifique projet. Oui, c'est vrai que ce classement à l'UNESCO permettrait de donner une notoriété mondiale aux alignements de Carnac. Merci beaucoup. Voilà, on part maintenant à la découverte des îles, qui elles aussi font partie intégrante de l'identité du Morbihan. Et chacune a son caractère. Belle-Île, avec son imposante citadelle Vauban et ses murs multiples fortins, l'île d'Ars et ses anciennes maisons de capitaines restaurées avec soin. Nous ferons également escale sur l'île d'Ilure, un site protégé où les scientifiques veillent avec soin sur l'hippocampe. C'est l'emblème du golfe. Et c'est un film signé Claire Lajeuny et Bertrand Rubé. Face à l'Atlantique, au sud de la Bretagne, s'ouvre le golfe du Morbihan. Des îles sauvages protégées par 120 km de côte.
Ce matin, le géologue David Meunier survole ce territoire pour mieux comprendre son histoire. La particularité de ce golfe du Morbihan, c'est une petite baie. On l'appelle aussi une petite mer intérieure qui fait à peu près 11 500 hectares. Et cette petite cuvette qui est finalement une goutte d'eau à l'échelle des océans est parsemée d'îles. Au total, le golfe compte une cinquantaine d'îles et d'îlots, avec au centre les deux principales. L'île aux Moines et l'île d'Ar. Le littoral de ce golfe a aussi cette caractéristique d'être très découpé, avec des roches, des plages, de nouveau une côte à falaise, etc. Alors comment expliquer ce découpage ? C'est que la roche qui entoure le golfe du Morbihan, elle a à peu près 350 millions d'années et elle est constituée de matériaux qui ne vont pas forcément résister aux assauts du climat de la même manière. Et les secteurs qui ont plus résisté à l'érosion forment des pointes et des secteurs qui ont été les plus sensibles à l'érosion, plus friables, et bien, donnent naissance à ces baies. Mais cette mer intérieure n'a pas toujours existé. Il y a 20 000 ans, le golfe du Morbihan est plutôt un espace continental. On avait quelques collines séparées par des vallées peu profondes dans lesquelles s'écoulaient les principales rivières. Le littoral à ce moment-là, il est à peu près à 70 km au sud de nos côtes. Et progressivement, la mer est remontée et est venue inonder cette petite cuvette pour donner naissance à ce chapelet d'îles où on va voir une très grande diversité de paysages, un patrimoine biologique aussi diversifié qu'il y a d'îles finalement sur le golfe. C'est un réservoir naturel, c'est un garde-manger pour ces oiseaux, c'est aussi un garde-manger pour les palourdes. Et c'est aussi un garde-manger pour les hommes, puisqu'on aime manger la palourde ou éventuellement les huîtres. C'est fantastique les couleurs sur le golfe. On y voit des ocres ou des beiges sur nos plages qui vont alterner avec ces verts qui peuvent variés à l'échelle de la journée et qui vont faire tout le charme de ce petit joyau naturel, un territoire aussi agréable à regarder qu'à vivre. Au sol, David Meunier nous emmène à l'entrée du golfe, au pied des falaises, témoin de l'histoire mouvementée des lieux. Alors ici, on va voir justement le soubassement des principales roches du golfe du Morbihan. On a un très très beau pli qu'on peut voir, hein, où on va voir plusieurs bandes de rubans qui vont évoluer. C'est un peu quand vous travaillez en pâtisserie, je pense toujours aux millefeuilles, et vous avez plusieurs couches, vous les compressez, vous donnez naissance à ces plis, et vous avez mis des couches de roches de nature différente qui vont être compressées. Tous ces plis, en fait, sont caractéristiques d'une chaîne de montagne qui s'est mise en place il y a à peu près 300 millions d'années. C'est avant l'époque des dinosaures. C'est l'équivalent de ce qui se passe aujourd'hui au cœur des Alpes ou au cœur de l'Himalaya. Et aujourd'hui, on a tout simplement enlevé tout ce qui était au-dessus, 4 à 5 km, voire plus, de formations sédimentaires ou géologiques autres qui n'ont pas résisté aux assauts du climat depuis 280 millions d'années. Et le sous-sol morbihanais, le sous-sol autour du golfe Morbihan est principalement constitué de ces roches, des granites, etc. Et sur lequel aujourd'hui, dans cette petite cuvette qu'est le golfe du Morbihan, eh ben, quand vous plongez à l'entrée du golfe, vous plongez sur ces roches-là et sur lesquelles vont venir s'installer la faune et la flore si caractéristiques du golfe. Le golfe
a la particularité d'avoir une entrée très étroite. Moins de 900 mètres, sépare Port-Navallo de Locmariaquer. Pour relier ces deux rives, une petite compagnie maritime assure la navette. Elle a été créée en 2007 par François et Jérôme, deux marins bretons. En ce moment, vu qu'on est en basse saison, il y a 3 départs par jour. Sinon, l'été, il y en a 7 ou 8 dans la journée. Le bateau part toutes les heures, en fait. Cette ligne-là, elle est relativement évidente, puisque si tu veux aller à Locmariaquer quand tu pars de Port-Navallo en voiture, il y en a pour une bonne heure. En prenant cette ligne, il y en a pour un quart d'heure, 20 minutes, en fonction des courants. Souvent, en Bretagne, on dit, par chauvinisme un petit peu, qu'une fois qu'on a navigué en Bretagne, on sait naviguer partout dans le monde. Alors, ouais, c'est sûrement le cas, parce que c'est vrai que la Bretagne, de manière générale, c'est pas un endroit facile pour naviguer. Il y a du courant, il y a du mauvais temps, souvent. Le courant le plus connu dans le golfe, c'est celui de la jument. Donc là, ça accélère beaucoup. Et ce qui fait de ce courant le deuxième courant le plus fort d'Europe. Donc là, on arrive dans le courant, il est juste devant nous. Là, on est toujours dans le contre-courant. Donc vous allez voir, on va se faire chahuter un peu. François, là, il va prendre un virage serré à droite pour rentrer dans le courant le plus tard possible. Et puis avec très peu le minimum d'angle entre la trajectoire du bateau et celle du courant. Pour qu'on ne se fasse pas embarquer. Donc là, la veine de courant est juste là. C'est un coup à prendre, c'est pas très très dur. Il y a une petite gymnastique à adopter. Ce bateau est emprunté tous les jours par les habitants du golfe. On habite ici, mais on a l'impression d'être en vacances, quoi. Là, de ce temps-là, c'est quand même super. On va au marché et puis on revient. Non, c'est très agréable, ouais. Je prends le bateau plus par plaisir pour cette petite traversée qui est quand même très agréable. Et puis, on va dire que c'est des embarcations qui ne sont pas d'aujourd'hui. Ça fait plaisir aussi de prendre des vieilles embarcations, enfin, vieilles, entre guillemets. Ce bateau-là, le Passeur des Îles, a tout le temps fait du passage. Il a été construit en 71 parce qu'il y a des gens qui pensent qu'on a pris un bateau de pêche et qu'on en a fait un bateau à passagers. Alors ça, c'est administrativement impossible. Donc pendant 25 ans, il a fait du passage entre Vannes et l'île d'Arre. Et bah, depuis 2007, il est avec nous, quoi. Et il est, ma foi, bien pratique. C'est pétri de parcs ostréicoles dans le golfe du Morbihan. Il y en a plein partout. D'ailleurs, on cultive que de l'huître et de la palourde dans le fond, dans le golfe. Il n'y a pas de moule. On travaille ici quasiment tous les jours et on a tendance à oublier la chance qu'on a. Moi, j'ai des amis qui travaillent dans des bureaux ou qui font des choses différentes. Et c'est vrai qu'on a bien conscience qu'on est quand même des petits privilégiés. Plus au large, à 40 km du golfe, l'île de Groix. Un petit territoire d'à peine 15 km carrés, connu pour la beauté de ses paysages. Elle est également appelée l'île aux grenats, cette pierre rouge que l'on retrouve notamment sur ses plages colorées. Sébastien est breton d'origine. Il a choisi de vivre ici en 2011. L'île de Groix, je la connais depuis que je suis né presque, car mes grands-parents, moi, vivaient sur le continent, sur le village à Lomner, donc c'est le village le plus proche de Groix, mais sur le continent. Et donc la virée de la journée, c'était de prendre le bateau de mon grand-père, venir à la pêche à Groix ou venir faire de la chasse sous-marine. Ce que j'aime le plus ici, c'est la tranquillité, son côté sauvage, c'est-à-dire que les deux tiers de l'île, c'est des réserves naturelles, avec une lande incroyable.
direction la pointe Saint-Nicolas. Une petite anse discrète. C'est magnifique. On voit tout le côté sauvage que peut apporter cette île. Pour moi, c'est beaucoup, beaucoup de souvenirs. C'est lorsque j'étais enfant et qu'on faisait du bateau, on venait souvent, même pour la journée, on venait au moins pique-niquer à Port-Saint-Nicolas en bateau. On venait se protéger dans ce port naturel, entouré de ces grandes falaises. C'est un très bel endroit, très fort. J'ai rencontré ma femme à Paris, on avait ça en commun. C'est-à-dire que ses parents avaient acheté une maison à Groix. Et moi, je connaissais très, très bien cette île. D'ailleurs, j'y retournais régulièrement. Et donc, on avait décidé de s'y marier en 2009. Et lorsqu'on a préparé notre mariage, on s'y est dit, tiens, ça peut être sympa de vivre sur une île. Et Groix, aujourd'hui, fait partie de l'ADN de notre famille. Que ce soit pour mes enfants, pour nous, on a construit notre famille également autour de cette île. Sébastien est confiseur. Chaque semaine, il vient au port chercher les ingrédients dont il a besoin. Là, on arrive à Portudy, donc le port principal de Groix. C'est là qu'on reçoit la marchandise. Bonjour Daniel. Salut, t'as un colis à prendre dans le frigo. Ouais, exactement. Cette livraison, c'est ma crème et mon beurre que je commande du continent, d'une petite laiterie. Et donc, ils me la livrent au bateau. Et moi, je la réceptionne donc à Portudy, au plus frais possible. On est une île beaucoup trop petite pour être indépendante et autosuffisante. Portudy et le ferry, le bateau qui nous relie au continent, c'est notre pont à nous. C'est-à-dire que là, on serait vraiment isolé le jour où on n'a plus de bateau. Voilà. Et l'hiver, quand on a des tempêtes, en général, on peut être isolé pendant un ou deux jours, mais ça c'est jamais beaucoup plus long. Sébastien fait partie des 2300 habitants de l'île de Groix. Au centre, le bourg et son église, dont la girouette, en forme de thon, est le symbole du passé maritime de l'île. C'est dans ce village qu'il a ouvert sa boutique artisanale. Issu d'une famille de chocolatiers depuis trois générations, il s'est spécialisé dans le caramel. Pour fabriquer du caramel, il faut trois ingrédients principaux. Donc c'est le sucre, la crème et du beurre. La difficulté, c'est la fonte du sucre. Voilà, parce que le sucre, c'est très sensible. Ça peut brûler tout de suite. Donc il faut y aller tout doucement, pour le caramel mou, surtout. Moi, j'ai commencé à travailler vraiment le caramel lorsque ma grand-mère, il y a une bonne quinzaine d'années, me dit tiens, c'est marrant, les caramels mous sont devenus durs aujourd'hui. Ou en tout cas, ils n'étaient pas aussi tendres qu'à l'époque. Et donc, j'ai commencé à retravailler et à chercher pourquoi les caramels mous étaient devenus durs. Et c'est tout simple. Aujourd'hui, on a automatisé énormément la fabrication, qui fait que, par exemple, les caramels que je fabrique ne peuvent pas passer dans les machines automatisées. Voilà. Parce qu'ils sont très tendres et donc ils se déformeraient tout de suite. Ils commencent à brunir. Donc ça y est, je verse la crème. Le caramel était bien fondu. La crème est assez riche parce qu'elle est à 40%. Donc ça vous donne vraiment une onctuosité très particulière. Donc la couleur a commencé à bien changer là. Donc je commence à mettre le beurre, et c'est justement ce qui va donner ce petit goût noisette, c'est de le mettre à la fin de la cuisson. C'est bon. On va se brûler. Le caramel peut varier énormément au niveau des régions. Déjà, il y a la crème qu'on utilise. On a la crème de Bretagne, elle n'a sûrement pas le même goût que la crème qu'on peut retrouver dans les montagnes, que ce soit les Pyrénées ou les Alpes. Et ensuite, on a l'hydrométrie et le lieu où on le fait. C'est-à-dire que ma recette, si je fais la même recette à Paris, elle n'aura pas le même goût. Parce qu'ici, on a un air iodé très prononcé, on habite sur une île en plus. Et donc, au final, ça apporte énormément à tous mes produits, que je fasse des bonbons de caramel ou même du chocolat, vous n'avez pas forcément le même goût
en fonction des régions. Tac. Donc la difficulté de mon métier, c'est de goûter sa texture qui est très fondante, vous voyez. Je peux le couper très facilement. Il n'accroche pas du tout. Voilà. Ce petit goût de noisette, ce petit goût de sel parfait. Prêt à être emballé. C'est parti. Pour conditionner ses caramels, il a récupéré cette emballeuse, vieille de 50 ans. Donc j'utilise cette machine car c'est l'une des rares qui a la particularité d'emballer les caramels un par un. Et ça évite de toucher à la structure du caramel. Les machines qui sont plus modernes bougent la structure du caramel parce qu'on les malaxe et tout ça. Et je ne veux pas déformer la structure très fondante de mon caramel. Tout juste fabriqués, les caramels sont livrés par bateau. Ça va, Bastien ? Ouais, nickel. T'es prêt ? Ouais. Ce matin, Sébastien se rend sur une autre île, à 40 km de Groix. Dans ma famille, on navigue tous. On a toujours navigué. Mon père était moniteur de voile, je le suis aussi. Et on navigue énormément. Voilà. Dès qu'on peut, on est sur l'eau. Après 2 heures de navigation, le bateau s'apprête à accoster à Belle-Île-en-Mer. Nous arrivons à Sauzon, le deuxième port de Belle-Île, et qui est très très charmant car complètement typique breton. Regardez toutes ces belles maisons, ces petits commerces, ces petites crêperies qui font que le Sauzon est un port très animé le soir, l'été. Il y a vraiment du monde, c'est sympa, c'est convivial et c'est très familial. La commande de caramel est destinée à Audrey, qui a ouvert une crêperie sur le port. Et une crêpe caramel et une crêpe sucre cannelle. Ça fait 10,60 €, s'il vous plaît. La jeune femme est originaire de Lorient et travaille avec sa mère. Ça va faire 2 ans et demi que je suis là. J'entame ma 3e saison. Et je regrette pas encore mon choix et je pense que je vais pas le regretter. Avant, quand je commençais quelque chose ou un travail, je râlais vite. Et là, ça fait 3 ans, je ne râle plus. Donc on va dire que c'est un bon point. À l'origine, je cherchais un local pour m'installer en Bretagne, sur la côte. Et en fait, le pur hasard m'a amenée à Belle-Île-en-Mer, à Sauzon. Et j'ai eu un vrai coup de cœur sur la zone, sur le quai, sur le port. Et... Donc on a une petite cuisine vue mer et c'est ça qui est appréciable ici. Elle fait un choix de vie qualitatif. Parce que ici, c'est vrai, c'est reposant, c'est un retour aux sources. Et je suis contente de voir qu'au moins un de mes enfants apprécie ce style de vie, quoi. C'est vraiment un endroit qui est resté assez authentique, qui a peu évolué. Je reçois des clients qui sont venus il y a 20 ans, ils nous disent « Waouh, ça a vraiment pas changé ». Je m'en lasse toujours pas. Belle-Île-en-Mer est la plus grande des îles bretonnes. Elle est réputée pour ses falaises abruptes, ses plages de sable blanc et son riche passé historique. Sur cet éperon rocheux se dresse la citadelle construite par Nicolas Fouquet, puis fortifiée par Vauban, qui veut faire de Belle-Île l'une des meilleures places du royaume. Au XVIIe siècle, l'ingénieur de Louis XIV rase une partie de la ville et fait construire des remparts pour rendre la citadelle imprenable. La France doit alors impérativement éviter que sa rivale l'Angleterre ne prenne possession de cette île.
lorsque le maréchal de Vauban arrive à Belle-Île en 1683, il découvre une citadelle qui a déjà quasiment tout d'une grande. Mais il la trouve définitivement mal fichue. Donc il souhaite la raser et en reconstruire une autre. Mais cela coûte beaucoup d'argent. Et donc le maréchal de Vauban doit faire avec la citadelle laissée par Nicolas Fouquet. Va élaborer tout un système défensif pour notre citadelle. Les murailles, les fortifications, les bâtiments jouent un rôle primordial dans le système défensif du maréchal de Vauban, mais il ne faut pas oublier la végétation. La végétation également, et plus particulièrement les arbres, offrent un système de dissimulation. Lorsqu'un canon est en fonctionnement, il dégage énormément de suie, il dégage énormément de fumée, et le seul moyen de faire un trompe-l'œil, c'est de planter en face de ces embrasures à canon des arbres, des chênes, qui généralement, par leur armure, dissimulent parfaitement les fumées des canons. Geneviève Trinchant est issue d'une famille belliloise et travaille à la citadelle depuis l'âge de 16 ans. Il faut s'imaginer, au 19e siècle, un tumulte de petits côtres sardiniers, puisque la pêche à la sardine, c'était vraiment la base de l'économie belliloise. Et moi, je peux vous en parler à bon escient, parce que mon papa était marin-pêcheur. Mon papa pêchait la sardine sur une unité de pêche locale. Et donc, bah, écoutez, j'ai vécu élevé à la soupe d'aiguillettes, à la sardine grillée. On a devant nous toute la côte intérieure de Belle-Île, ce qu'on appelle la côte douce. Donc une côte beaucoup moins agitée que la côte sauvage, des plages, des criques juste magnifiques, juste merveilleuses. C'est une côte de quiétude. Nous quittons la citadelle avec Geneviève pour une côte belliloise beaucoup plus sauvage, à 10 km au sud. La pointe des Poulains est un site emblématique, avec sa côte rocheuse et son phare, propriété du Conservatoire du Littoral. La comédienne Sarah Bernard a passé ses vacances ici pendant 30 ans. Elle découvre ce paysage à couper le souffle à la fin du 19e siècle. Sarah Bernard décide de faire une excursion à Belle-Île. Elle pousse l'excursion jusqu'à la pointe des Poulains lorsqu'elle découvre ce fortin dans son écrin de verdure. Il porte la mention à vendre. Elle ne quittera pas Belle-Île avant d'avoir acheté ce fortin. Un coup de foudre, total et entier. Elle tombe littéralement amoureuse du site. Dès l'année suivante, elle entreprend des grands travaux qui permettent de transformer un fortin plus qu'inhospitalier en une véritable résidence de vacances. Mais le fortin ne lui suffit pas. Il est vrai qu'elle a toute une cour d'amis parisiens qui la suivent dans ses déplacements. Donc elle décide de faire construire d'autres bâtiments. Elle a un voisin qui possède la villa de Penouette. Et bien à sa mort, elle décide de l'acheter de manière à être totalement et entièrement propriétaire de la pointe des Poulains et des différentes maisons qui ont été construites sur cette pointe. C'est un véritable décor de théâtre. Imaginez, lorsqu'elle se trouve dans ce fortin, la vue, ces rochers qui la dominent. Elle trouve ce site tempétueux. C'est un terme qui lui va bien, tout au moins à son caractère. Tout est majestueux dans cette nature à la pointe des Poulains. Belle-Île compte au total 14 petits forts sur son littoral. Aujourd'hui, la plupart sont des résidences privées et se nichent dans les plus belles criques. Comme sur la plage de Port-Andreau.
Grégoire Sentil a acheté ce fortin en 1997. Un bien rare, accessible uniquement par un pont-levis. Là, on est sur la plage de Pandro. C'est là que les Anglais ont débarqué en 1761 et ont fait le siège pendant 3 jours avec toute une armada et sous un déluge de boulets de canon. Et c'est comme ça qu'ils ont réussi à faire leur percée et à débarquer à Belle-Île, qu'ils ont occupé pendant 2 ans. Le fortin de Port-Andro a été édifié en 1846. Là, on arrive sur les douves qui ont été construites, il y en a 4. Et puis alors là, on voit c'est du granit qui vient de la pointe de Pinmar, à l'extrémité ouest de la Bretagne, et qui ont été acheminés par bateau à l'époque pour faire quelque chose qui soit impeccable. Et donc là, on voit les meurtrières, les bouches à canon et les échauguettes qui ont été construites. C'est à partir de ça que se trouvaient les postes de tir. C'est le modèle militaire le plus important parce que c'est le seul qui est sur 3 niveaux et c'est le seul qui soit carré. Tous les autres sont rectangulaires. C'est ça qui fait son caractère unique. Et puis il y avait aussi une volonté de faire un ouvrage plus important en épaisseur et en hauteur. Parce qu'il n'y a pas d'autres fortifications ici qui puissent protéger l'accès. Et donc il fallait quelque chose qui soit plus lourd. Grégoire a restauré ce fortin pendant 20 ans, tout en conservant les éléments d'époque. On arrive au rez-de-chaussée, où se trouvent les deux corps de garde où vivait la garnison militaire qui était dans le fortin, avec de part et d'autre les deux escaliers qui montent en haut où se trouvaient les canons. Et en fait, la poudre était stockée au sous-sol, en bas. On voit, c'est la trappe qui était conçue pour ça. Et on remontait la poudre à partir des poulies qui sont ici et qui permettaient ensuite de la distribuer aux hommes de la garnison. Et puis là, on rentre dans ce qui était la pièce principale. C'est là où dormaient tous les militaires. Et en fait, c'est très bien isolé puisque les murs sont très épais puisqu'ils font 2,50 m d'épaisseur à la base. Et on s'aperçoit que les pierres qu'on voit autour, là, c'est du tuffeau qu'on faisait venir d'Angers. C'est une pierre très blanche qui résiste très bien en environnement humide. Et on voit bien qu'il a bien résisté à l'épreuve du temps. Voilà. Et là, à chaque fois, vous voyez toutes les meurtrières qui sont très en profondeur. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'il y a toujours des colombes qui viennent nicher et faire leur nid, encore maintenant. Avec l'aide des monuments historiques et puis des artisans du coin, on a reconstruit le fortin en conservant son âme telle qu'il était à l'époque. Alors, il n'y a plus les militaires, voilà, par exemple, le lustre est un lustre d'époque. Ça fait partie des pièces d'origine qu'on a retrouvées. Et on a récupéré tous les sols avec les tomettes qui viennent d'une vieille abbaye du 18e siècle et qui donnent une patine extraordinaire. Ça a redonné vie à un lieu qu'on pensait perdu. Un nouveau défi attend Grégoire. Sauver un autre fortin qui se trouve sur la plage des Grands Sables, la plus grande plage de Belle-Île. Il a acquis cette batterie militaire abandonnée. C'est la batterie de la Ferrière. C'est un des deux fortins avec la batterie de Port-Blanc à Sezon, qui n'a pas encore été sauvée. C'est mon nouveau combat pour lui redonner vie. En fait, c'est complètement l'abandon, mais le fortin de Port-Andro, il était dans un état à peu près équivalent il y a 22 ans. Le fortin est envahi par la végétation et rongé par l'humidité. Alors là, on voit quels sont les ravages qui sont provoqués par l'humidité qui s'accumule. Et c'est à ça qu'il faut mettre fin le plus vite possible. Parce qu'après, on l'a vu à Port-Andro, il faut 15 ans pour arriver à faire en sorte que les murs se vident de leur eau. Et même si c'est des bâtiments extraordinairement bien construits, il ne faut pas laisser ça indéfiniment parce qu'au bout d'un moment, ça devient irréversible. À l'extérieur aussi, il y a urgence à consolider ces fortifications construites au XVIIIe siècle. On voit de part et d'autre l'effondrement progressif des murs qui sont sur les côtés.
Or, c'est des murs qui sont uniques, c'est des pierres montées une à une, etc. Et puis derrière, il y a juste la route. Et donc, en fait, si on ne le fait pas, c'est la route côtière qui se trouvera remise en cause. Et donc, ce que j'espère, c'est que ce projet va pouvoir aboutir, parce que c'est que comme ça qu'on continuera à conserver la vie de nos territoires et leur histoire. Belle-Île, c'est ma vie, c'est mes amours, c'est ma chair, c'est mon sang aussi. Ça a du sens. Je veux dire, après tout, si on doit faire des choses dans la vie, c'est mieux si on fait des trucs qui laissent une trace positive. C'est une manière de continuer à exister. Nous quittons Belle-Île pour retrouver le golfe du Morbihan. Cette mer intérieure est aujourd'hui une zone protégée pour sa faune et sa flore exceptionnelle. Pour préserver cet environnement, une équipe du Parc naturel régional assure des missions quotidiennes. Le golfe du Morbihan, c'est une zone importante pour la biodiversité marine, terrestre, un petit concentré de biodiversité qui est très intéressant. Et aussi beaucoup d'hommes qui y travaillent, qui y habitent, qui viennent en vacances. Et du coup, le but n'est pas d'interdire aux hommes de venir sur ce site. Par contre, si on peut faire en sorte que les hommes ont le moins d'impact possible sur le patrimoine, c'est ça un peu l'objectif de notre travail, nous, au Parc naturel régional. Depuis quelques mois, l'équipe a installé un nouveau type de bouée pour amarrer les bateaux. Aujourd'hui, ils viennent vérifier que ce mouillage n'abîme pas la flore marine. Au bout de cette chaîne, Bertrand plonge pour vérifier l'état de santé des herbes sous-marines, appelées austères, typiques du golfe du Morbihan. Après une heure d'observation, Bertrand refait surface. Je t'ai remonté à un pied de zoostère, donc tu vois que... Là, il est beau, hein ? Il est assez beau, il est assez long, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les fleurs... commencent à arriver. Voilà, commencent à apparaître. C'est plutôt des bonnes nouvelles pour nous, parce que nous, ce qu'on cherche à préserver, c'est la biodiversité qui est dans cet herbier de zoostère. Donc là, une bonne densité d'herbier, une bonne longueur, des graines, des fleurs. Du coup, les premiers enseignements, c'est vraiment que ce mouillage a un impact positif, en tout cas pas d'impact négatif sur les fonds. Et notre objectif, c'est vraiment d'essayer de le dupliquer sur d'autres mouillages. On en a 7,5 sur le golfe. Et du coup, améliorer la biodiversité sous-marine du golfe du Morbihan. Si ces herbes font l'objet de tant d'attention, c'est qu'elles abritent de nombreuses espèces, dont l'hippocampe, le symbole du parc naturel. C'est au large de l'île d'Ilure que ce petit poisson à tête de cheval vit en plus grand nombre. Régulièrement, Ronan et Anne plongent pour mieux l'étudier. Mais l'animal se cache. Il faudra plus de 2 heures de recherche pour apercevoir un premier hippocampe. Anne a trouvé un hippocampe, Hippocampus gutulatus, qu'on appelle autrement hippocampe moucheté, qui a cette petite particularité d'avoir des ramures sur la tête, comme un chevelu, ce qui le rend encore un peu plus beau que les autres espèces. Et beaucoup pensent que c'est une légende. Quand on dit qu'on a des hippocampes sur l'île, qu'on peut voir, les gens nous disent « mais ça existe les hippocampes ?» Évidemment que ça existe dans ces herbiers austères.
Et donc avec sa queue, il va enrouler sa queue autour des feuilles d'herbier. Donc cette espèce qui a une forme un peu bizarre, eh bien un poisson, avec la petite particularité que c'est le mâle qui porte les petits. Et donc le mâle a un gros ventre quand il porte ses petits. C'est une espèce protégée, voilà, vous n'avez pas le droit de la pêcher. Nous là, on l'observe, ça permet aussi de le montrer. On va évidemment le relâcher, le laisser dans son habitat naturel. N'importe quel plaisancier ou pêcheur n'a pas le droit de pêcher un hippocampe et de le ramener chez lui. Même si malheureusement ça arrive parfois. C'est bien une espèce qu'il faut laisser dans son habitat naturel si on veut pouvoir avoir la chance que nos enfants et nos petits-enfants puissent également l'observer plus tard. L'île d'Ilure est gérée aujourd'hui par le parc naturel régional. Vincent Chapuis en est l'unique gardien. Il veille jour et nuit sur ce petit paradis. On essaie d'entretenir une diversité de paysages, notamment d'entretenir des prairies ouvertes qui ont tendance à s'embroussailler. Et le troupeau de moutons nous aide à entretenir les prairies. Donc c'est à la fois des tondeuses écologiques et des débroussailleuses. Donc elles vont brouter l'herbe, donc éviter qu'il y ait des jeunes arbustes, des ronces qui viennent envahir ces prairies et faire une friche. Elles se débrouillent vraiment toutes seules, c'est une race rustique bretonne ancienne qui s'appelle les Landes de Bretagne. C'est la même race, hein. Il y a des blanches, des noires, des grises, des marrons. C'est une race ancienne qui a failli disparaître, il n'y avait plus que deux troupeaux en Bretagne et donc au monde dans les années 80. Et donc c'est une race qui est pourtant super intéressante parce qu'elles savent se débrouiller en pleine nature toute l'année. Quand il n'y a plus d'herbe, quand c'est sec en plein été, elles vont manger en sous-bois. Donc voilà, c'est un élément du paysage mais qui entretient ce paysage diversifié de prairies, de haies, de boisements. Et ça évite de prendre le tracteur tout le temps et d'utiliser du gasoil. On essaie vraiment de conduire ici un petit peu un phare au milieu du golfe, quoi, une espèce d'escale nature où on protège et on amène à découvrir une nature préservée. Sur l'île se trouve l'ancien village, le dernier vestige du passé rural d'Ilure. Fin 19e, on sait qu'il y avait 5-6 familles qui vivaient ici. Donc 30-35 personnes en quasi totale autarcie. Il y avait peu d'échanges avec le continent. Donc un milieu très contraignant, hein, c'était pas les familles les plus riches qui habitaient sur ces îles-là. Donc à l'époque, l'ensemble de la terre était vraiment utilisé. Il faut imaginer un paysage sans un arbre, hein, c'était de la lande, des prairies, des cultures. Et un paysage qui était maillé par des murets en pierre sèche qu'on voit un petit peu partout dans le village. Donc ça c'est fin 19e. Début du 20e siècle, les gens commencent à quitter les îles. Et petit à petit, le paysage va commencer à être abandonné, à s'enfricher, la nature reprend ses droits. Une nature menacée que Vincent Chapuis tente à son échelle de préserver. On connaît l'histoire des îles du golfe du Morbihan et notamment d'Ilure, hein, qui sont d'anciennes collines face à des vallées qui ont été remplies par l'eau de mer. Mais cette histoire, elle est encore en cours. Et ce réchauffement climatique est largement impacté par nos activités humaines à l'échelle planétaire. Ici, là, peut se voir directement. Il y a un isthme très étroit de sable là, qui sépare la mer côté ouest et côté est de cette presqu'île qui bientôt deviendra une île. La pointe nord de l'île va se séparer du reste d'Ilure et sous nos yeux. Le golfe du Morbihan n'est pas seulement connu pour ses paysages naturels. Il abrite aussi des trésors historiques. Plus à l'ouest, l'île de Gavrinis et son cairn. C'est le plus grand tombeau jamais découvert dans la région. Ce tumulus de pierre est un chef-d'œuvre du néolithique. À l'intérieur se trouvent des gravures remarquables, classées monuments historiques depuis 1901.
Serge Cassin est archéologue. Il étudie ces pierres millénaires depuis 2010. C'est un monument exceptionnel puisque presque la totalité des parois sont gravées de façon très extensive parce qu'il peut y avoir ici ou là des dolmens avec des gravures préservées, mais c'est toujours une partie limitée du support qui est affectée. Et là, c'est vraiment l'entièreté de la surface qui a été touchée par ce travail de gravure. Alors, il y a bien sûr les arcs concentriques, ces formes géométriques qui peuvent être circulaires comme ici, mais qui sont le plus souvent hémicirculaires. Ce sont la toile de fond de Gavrinis autour desquelles vont s'organiser des objets. Certains sont reconnaissables comme des haches polies. Hein, ici, vous avez une hache avec son talon pointu, son tranchant ici convexe. Et à ses côtés, une seconde lame polie, une seconde hache. Le talon est cette fois-ci en haut et le tranchant est en bas. Alors ici, on est face à une dalle qui représente non pas une forme géométrique abstraite, mais la représentation d'un animal. Ici, vous avez une tête élargie, une extrémité élargie, qui est la représentation du serpent, tel qu'on peut la voir également sur d'autres menhirs de la région. Chacune de ces dalles gravées pèse plusieurs tonnes. Elles ont été acheminées sur l'île il y a 4000 ans. Jusqu'à maintenant, on a pensé que le transport de ces monolithes un peu extraordinaires se faisait soit par pirogue, soit par radeau. L'ennui, c'est que quand on commence à traverser des courants marins, que l'on va au large, qu'on n'est plus en rivière, qu'on n'est plus sur des zones calmes, là, ça devient problématique. Et cette dalle qui fait dans les 23 tonnes a dû franchir des courants très importants. Ici, on est à 9 à 12 nœuds parfois, et de là, il n'y a que le bateau. Il n'y a que le bateau et l'exemple égyptien est là pour nous montrer que les obélisques de Karnak, par exemple, sont à 280 à 300 tonnes. Et ce sont des barges énormes, hein, de 20-30 mètres de long, qui étaient utilisées. Donc on peut penser à un dispositif de cette sorte, des bateaux de ce type pour transporter ces monolithes extraordinaires. Mais c'est à l'entrée du tombeau que Serge Cassin a fait sa plus grande découverte. Alors ici, on est face à une dalle qui présente ici la particularité d'offrir un motif qui jusqu'à aujourd'hui était assez énigmatique. On ne l'avait pas interprété, on ne l'avait pas bien compris. Mais en traçant, en relevant les tracés techniques sur l'ordinateur, alors on s'est rendu compte que nous avions deux tracés presque symétriques, mais pas totalement. Et je me suis dit, et si on les rabat ? Qu'est-ce que ça donne? Et en les rabattant, en fait, on retrouvait la forme d'une coque avec l'équipage embarqué. Ça a été le début de l'histoire des bateaux de Gavrinis, puisque ce motif n'avait pas été interprété de cette manière, il n'avait pas été interprété du tout. Et dès l'instant où le bateau est apparu, eh bien là, on avait une nouvelle vision de l'ensemble de Gavrinis. Une interprétation qui donne un nouveau sens à la totalité du décor du cairn. Ce ne sont pas des signes qui sont disposés comme ça, de manière anarchique. Donc on pense qu'il y a une relation entre cette représentation et ces spirales concentriques qui pourraient être la représentation d'un fluide de type eau, liquide, etc., la mer. Donc si on tend d'ailleurs un peu l'oreille en ce moment, on peut entendre le courant de la jument ici qui peut être une image tout à fait plausible de ce qu'a voulu représenter l'artiste ou les artistes de Gavrinis. Un peu plus loin dans le golfe, l'île d'Ar et son célèbre moulin à marée à la pointe de Berneau, construit au XVIe siècle. L'île est aussi connue pour ses nombreuses maisons de capitaines.
Amanda est d'origine anglaise. Avec Yves, son mari, ils ont la chance d'habiter l'une de ces demeures typiques, qu'ils rénovent amoureusement depuis 18 ans. Au 19e siècle, il y avait énormément de capitaines sur l'île, que ce soit dans la marine marchande ou la marine nationale. Et donc, quand les marins partaient et devenaient capitaines, on dit qu'ils commençaient à construire des maisons à deux étages, donc des maisons un petit peu plus cossues. Et effectivement, dans l'île, il y a 4 ou 5 maisons exactement comme la nôtre. C'est très symétrique. Il y a donc le toit à 4 pentes. Et nous, quand on a acheté cette maison, on a voulu surtout garder son jus. Donc on n'a pas vraiment changé l'aspect de la maison. On lui a donné une plus belle robe. On a refait l'extérieur en 2004. Ça a été un boulot absolument gigantesque. On a beaucoup travaillé aussi dans le jardin. Parce que ce qui m'a vraiment séduit dans cette île, c'est vraiment tout pousse dans ce jardin. À l'intérieur, un soin minutieux a été apporté à la décoration. C'est vraiment les couleurs du golf que j'ai voulu dans la maison. Je crois même que la première chose que j'ai achetée pour la maison, c'était ce tissu que j'ai vendu pour une bougie de pain. Ça et ça, c'est vraiment la mer, l'été turquoise. Et ici, c'est la couleur des marais. Donc c'est vraiment ça. Donc j'ai retrouvé toutes les couleurs dans un seul tissu. Et donc j'ai compris qu'il fallait que je l'achète. Puis, voilà, notre chambre, toujours avec des couleurs assez vives, comme on aime bien, avec une vue à travers les champs et jusqu'à la mer. Donc, je suis ravie. Voilà. En face de la maison d'Amanda se trouve la seule église de l'île d'Ar, l'église de la Nativité. La façade devant nous a été construite au 15e siècle, mais il y a des parties de l'église qui ont été construites à l'époque romane. Et l'intérieur évoque énormément le passé maritime de l'île. Nous avons le vitrail ici qui a été fabriqué en 1940 par une famille de l'île en souvenir de leur fils qui est mort en guerre pour la patrie. On voit en bas à droite le fils Donatien quittant le bateau et sa femme et leur enfant à gauche. Et ici encore une évocation aux marins. On voit Notre-Dame de l'Espérance et vous voyez son ancre qu'elle tient dans la main. Et beaucoup de femmes et enfants qui étaient laissés sur l'île venaient prier devant elle. Et on raconte même que parfois, on ramassait la poussière qui tombait parfois de la statue et on les mettait dans une petite pochette et on le tendait autour du cou des marins pour lui demander sa protection. Sur l'île, pas de voiture. Tout se fait à pied. C'est à la ferme que l'on va chercher directement son lait, chez Violaine. La jeune femme dirige la seule exploitation agricole. Alors, Violaine, ça va? Oui. On aimerait bien prendre du lait. Violaine tresse ses 20 vaches à même les champs. Elle fournit du lait à la demande. Une petite production bio adaptée à la dimension de l'île. Aujourd'hui, on s'aperçoit que des petits systèmes comme les nôtres sont très appropriés sur certains territoires. L'île, forcément, fait qu'on ne peut pas faire de l'agriculture intensive ici. Ici, on a de l'herbe qui nous coûte vraiment pas cher à produire. Donc, c'est vrai qu'on s'embête un peu à faire du lait, mais c'est du lait qui nous coûte pas cher du tout et on le valorise bien. Vos produits sont absolument délicieux. Quand on mange les fromages, on a l'impression de manger de la vache. C'est fantastique. On a un bon lait, donc c'est sûr qu'il n'y a pas besoin de faire grand-chose pour avoir des bons produits. En fait, déjà, quand on a une bonne matière première au départ. C'est la fin de la journée et c'est sur la plage
À marée basse, Qu'Amanda et Yves vont chercher les huîtres qui se sont échappées des parcs ostréicoles. Voilà, il y en a plein. Tiens, moi j'en ai plein là. Je pense qu'on en a assez là. Hop, voilà. Elles ont un goût comme nulle part ailleurs, moi je trouve. Je serais capable de goûter les huîtres, je crois, et dire ça c'est Lilda, ça ça l'est pas. Je suis sûre, je saurais faire ça. Au coucher du soleil, le couple aime se retrouver au sud de leur île, un lieu protégé des regards. Là, pour prendre l'apéro, tout seul, c'est agréable. Mmh. Elles sont crémeuses, ces huîtres. Elles sont bonnes. Hein. Oh, c'est la communion avec la nature. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de civilisation ici. Il n'y a personne. C'est tranquille. Et puis les gens qui habitent ici respectent la campagne. Donc il n'y a pas d'eux, il n'y a pas de papier, il n'y a pas de... C'est beau. On a l'impression d'être au bout du monde. Terminer cette émission, je voulais partager avec vous sans doute l'une des plus belles vues depuis la presqu'île de Quiberon. Sur cette terrasse du château Turpo, on a vraiment la sensation d'être sur la proue d'un navire. Alors ce manoir est l'un des édifices emblématiques de la ville. Il a été construit il y a 100 ans par un riche filateur de Cholet. Longtemps abandonné, il a été racheté puis restauré. Regardez, d'ici, on a une très, très jolie perspective sur la côte sauvage qui s'étend sur 8 km jusqu'à la pointe du Perchaud. Et ce soir, la marée montante laisse encore deviner les récifs et les criques. C'est un paysage changeant, un patrimoine naturel protégé depuis près de 30 ans par le Conservatoire du Littoral. Voilà, c'est la fin de cette émission consacrée à toutes les richesses du patrimoine du Morbihan. Avec Patrick Charles, Hélène Frandon, Jean-Luc Orabona et toutes les équipes techniques et éditoriales, je vous souhaite à tous une très très belle fin de soirée sur France 3. Bonsoir.